Bienvenue tout le monde dans la merveilleuse aventure de Super Mario World. Alors bonjour tout le monde, c'est Mamnajizu. Et voilà, on se retrouve pour l'épisode 5 de Super Mario World. On s'était arrêté avec 35 vies à Vanilla Dome, à Vanilla Secret 2. Hop là. Donc là c'est un petit monde secret qui va nous ramener au monde normal. Ah putain. Si je commence comme ça, ah oui, je m'en rappelle de ce niveau que je le trouve bien, mais je l'aime pas. Je sais pas. Eh ben oui, c'est qui le plus fort en bug, hein? C'est qui? Ben c'est Mamnajizu le plus fort, hein? Regardez, ça me fait une vie comme ça, juste en faisant bugger le jeu. C'est pas magnifique? Oh, le jeu il avait bugué. Je suis allé en arrière pour rien. Alors là, on va en bouffer un. Eh ben mince. Et même encore mince. Donc, toi, tu viens là et tu me fais le plaisir, voilà, de me donner une bonne cape. Bon, dégagez tous là, hein. Vous me pompez l'air. Putain. Je veux voler, bordel. Bon, c'est pas grave. On va regarder un peu le niveau, hein. Parce qu'il y a des pièces Yoshi, il me semble, en haut. Si on n'a pas les 5, c'est sûr qu'il y en a en haut, en tout cas. Tac, voilà. Je veux mon Yoshi d'abord. Ok, bon, on le laisse parce qu'il me saoule trop ce Yoshi. C'est pas grave, hein. On va pas pleurer pour un Yoshi, hein. On s'en fout tous des Yoshi, de toute manière. Bon, ils sont serviables, mais bon. À un moment donné où il y a trop de sprites, en fait, les Yoshi, ça sert à rien, donc quand il y a trop de sprites. Quand il y en a pas très beaucoup, et ben tu vois, ça va. Mais là, il y en a tellement une tonne que... Que voilà, il sert à rien. Il va faire que fuir tout le long. Ok. Bon, alors, voilà. Hein, c'est pour les gens qui savaient pas qu'il y avait une cape là-bas. Je montre juste qu'il y en a une. Et pour moi aussi, hein. Pour un petit peu. Donc là, vous voyez que Yoshi sert. Il peut marcher dessus. Bon. Ok. Cette musique, je l'aime bien. Bon, alors, on continue un peu. Tac. Oh, bordel. Voilà. Bim. 1,20. 1,28 même. Ok. Eh ben ça commence. Voilà, on a fait des petits fails, mais on n'a pas été mort. Donc ça reste normal. Je suis. Quand je serai adulte, normalement, je serai professionnel à Mario World. Peut-être pas speedrunner, mais professionnel. Oui. Même Aurel, je pense. S'il continue à jouer à Mario World. En tout cas, moi, je n'arrêterai pas de jouer à Mario World et je ferai toujours des hacks. Voilà. Ok. Deuxième pièce. Je me suis fait toucher. C'est pas drôle. Bon. Ok, là, stop. J'ai pas envie de me faire... Ok, c'est normal. Ok, voilà. Tac, on va aller sur lui. Et on remonte. Et on prend pas le pop parce que c'est très amusant de mourir. Ok, en première fail. Bon, il faut quand même perdre dans la vie. Hein. C'est pas grave. Allez, on joue un peu mieux. J'ai fait bugger le jeu. Ok. Bon. Moi, je veux le truc qui est ici, là. Hein, qui est un champignon. Et cette pièce Yoshi, voilà. Non, eux, ils tournent pas à droite et à gauche. Faut faire ça. Bon, le but, c'est de ne pas tomber dans l'eau dans ce niveau. Parce que là, t'es un peu foutu si tu tombes dans l'eau. Le courant t'emporte et tout, c'est chiant. Bon, alors, c'est là que l'oiseau... Qu'est-ce que je dis, moi? C'est un poisson. C'est le contraire. Non, tu me tueras pas, mon pauvre. Parole de mam. Voilà, c'est ma nouvelle parole. Maintenant... Oh, mais... Et ben voilà. Oui, faut jamais écouter les promesses de Mamnajizu. Tac. Ok. Checkpoint. Ça, c'est bon. Et le... Mais c'est bugué, le jeu. Sérieusement. Mais regardez, recule en même temps que la vue. Viens. Vas-y, va te faire, hein. Ah, je déteste ce niveau. Je me rappelle très bien que je le déteste.
Ok, allez, viens là, toi. Et on y va. Mais viens là, sale poisson. Voilà, t'es un poisson pour moi, t'es même pas un dauphin. Va te faire, voilà. En tout cas, le poisson a disparu. Ah mais je suis très nul hein, dans ce niveau, je l'aime pas du tout. Hein. C'est pas mon détester non plus, mais je l'aime pas. Sérieusement. Ok, on n'a même pas toutes les pièces. Et on sera à la fin. Voilà, je suis mal parti pour cet épisode. Hein. Bon, pas grave, allez. Hein. On va s'arrêter à la forteresse. Au château, peut-être. Soit au château, soit à la forteresse. Non, pas cette forteresse-là, mais l'autre. Ou au château, je sais plus, attendez. Bon. Cette forteresse, je l'aime pas. Donc, tous ces niveaux-là, je les aime pas. Après, il y a un monde de la forêt, et ça, j'aime bien. Parce que la forêt, vous savez très bien que Mame la Chizou aime bien la forêt. Désolé, attendez vite fait. Parce que là, une vidéo a bugué. Bon, voilà, parce que mon internet, il me saoule. Hein, voilà, ça me saoule. J'essaie de poster des vidéos, ok, mais ma... Sérieusement. L'internet, il coupe à chaque fois. Et je dois remettre et après, je dois reposter des vidéos. Et ça, je peux vous dire que ça me saoule à force. Moi, je pète les plans. Hein. Je fais des efforts pour vous donner des vidéos. Et plus cet internet de pouce là, saoule. Bon. Ok, voilà. Toi, tu dégages. Voilà, le tuyau. Bon, alors, ce château, je l'aime pas du tout. Parce que on est dans de l'eau. Hein. Voilà, je buverai plus jamais d'eau de ma vie. Voilà, je crèverai. Ça sert à rien de passer là. Voilà. Non, tu me tueras pas. Et toi aussi. Et toi aussi, voilà. Ça, c'est ce qui s'appelle le pro de l'esquive. Hein, moi, je dis. Voilà, le boss, ok. Et c'est Dresnor, je pense. Oui, parce qu'on est dans une forteresse, alors c'est bien Dresnor. Et là, j'en suis sûr que je vais perdre au Dresnor, parce que je suis une bouse, ouais. On va attendre la plateforme qui vient, là. Ah, mais parce que ceux qui perdent au Dresnor, moi, je dis que c'est des mauvais joueurs. Hein. Parce que les Dresnor, c'est les boss les plus faciles. Bon, je fais n'importe quoi, j'aurais pu le tuer et en finir, là, mais non. Hop là, on esquive, suffit de rien faire. Hop là, allez, tu dégages, Dresnor, et c'est bon. Moi, wow. Trop dur. Bon, voilà. Voilà. Bon, il reste plus beaucoup de niveaux. Après, l'épisode, est fini. Oui, on va s'arrêter à ce château-là. Simplement. Et puis voilà, on va s'arrêter à ce château. Il reste plus que un niveau. Ouais. Alors ici il y a sortie secrète. Ouais, là il faut une cape. Je me rappelle plus comment il fallait faire pour y aller bien. Ça fait longtemps ce niveau. Ok, là j'ai fait n'importe quoi. J'allais mourir. Hop là. Regardez la technique. Ah non, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Il faut sauter sur le... Ah. Ok. Ok, cool. Ok, encore plus cool. Cassez-vous, vous. Oh, bordel. Là, ça commence à aller vite. Il faut pas se laisser avoir. Là, on va redescendre calmement. Et on saute. Saut périlleux de malade. Voilà. Là, il bouge pas ce champignon là. Ok. Bravo. Tu dégages là, une pièce. Bon. Pas le moment de se déconcentrer. On a bientôt fini le niveau. Alors. Tac, on saute. Faudrait que j'arrête de faire des épisodes le matin. Je suis même pas dynamique. Ok. Casse-toi. Casse-toi. Hop là. Wow. C'est la fin bientôt.
Bon. Hop là. On n'a même pas récupéré 40 pièces, c'est pas grave. Et là, saut périlleux. Et on touche pas la barre. C'est cool. Bon, maintenant, on va s'attaquer. Attends, non, c'était pas dans ce... Dans ce niveau-là qu'il y avait sorti secrète. Qu'est-ce que je dis, moi? C'était dans notre niveau. Je me suis trompé. Donc, ben voilà, il reste plus que deux trucs. Ça va aller vite. Je me suis trompé. Voilà, il me reste plus qu'un niveau. Et puis le château. Hop là, on prend ça. Ne jamais voler dans les niveaux comme ça. À part si tu le connais par cœur, mais de manière là, je suis en WT. Il faudrait que je vous montre un peu le niveau. Alors, je vais pas faire n'importe quoi. Casse-toi. Et viens à la cape là. Plume de main. Ok. À tous les coups, même si je connais, je sais qu'ils vont venir, mais non, je me fais toucher. Ah. Ok, tac, voilà. On continue. Voilà, on est déjà au milieu. Ok. Ok. À chaque fois que je perds une plume, je sais pas si vous remarquez, mais j'en reprends tout de suite à la suite. Là, il y a Yoshi. On le prend. Et on y va. Oh non, j'allais mourir. Non, c'est là le tuyau qu'il fallait prendre pour sortir par là. Ok. Ça lag, ça lag. Il faut jouer sur Super Nintendo pour pas que ça lag. Parce que là, on est sur PC. Parce que sur Super Nintendo, ça lag pas. Cassez-vous les Superman. VIP, là. Oui, VIP, c'est un délire. Ok. Si vous comprenez pas, eh ben, je m'en fous. Oh non! Au moment où il y avait la sortie secrète. Eh ben c'est très drôle, moi je dis ça, super. Mais attends, il y avait, le niveau il était en jaune. Et il y a sortie secrète, what? Je comprends pas trop là. Le niveau est en jaune. Non, 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 je me suis confondu avec un autre. Ouais, c'est celui d'en bas. En fait, c'est il faut sauter par en bas. Ok, bah, alors c'est parti pour château. Ce château là, je l'aime bien. Il est quoi? Il est très simple le château. Hein. Bon, c'est pas le plus simple des niveaux, mais bon, il est simple. On prend ce champignon pour avoir un peu de réserve si on perd ma cape. Alors là, il faut speeder. C'est là le moment dur du niveau. Et oui, je me suis fait avoir. Ok, on attend qu'il descende un peu. Ok. On le refait descendre. Et là, bim, on y va. On y va, on y va, on y va. Et là, on court, on court, on court, on court. Normalement, j'arrive, ouais, c'est bon. Pas de peu du tout, là. Alors, il paraît qu'à droite, il y a du power-up, ouais, c'est bon. Il paraît, il me semble, je veux dire. Je dis n'importe quoi, vraiment, le matin. Bon, je dis toujours n'importe quoi. Je sais pas, Yayayub il montre l'heure, je vois pas pourquoi. Parce qu'il est midi. Et ça fait quoi qu'il est midi? Ah ouais, bon, parce qu'il est matin, parce qu'on est le matin. Ouais, je me crois encore qu'on est le matin. En fait, je suis mal réveillé. J'ai même pas pris mon déjeuner, voilà, je suis un malade. Tu dégages, voilà. Quand on est au bord de mourir, on vomit, vous voyez, on fait. Vous avez compris la blague? Ok, bye. Hop là, l'esquive. C'est un taureau, le bouffon. Parce que regardez, Mario, il est rouge. Dégage. Ah mais non, je me grattais les cheveux. Et j'avais plus les mains sur la touche pour sauter. Allez, hop là. Et moi, je te saute dessus. Ok, c'est cool. Hop là, allez, viens, bouffon. Allez, saute comme un imbécile. Que le mec il se croit pour une grenouille. Et c'est bon, t'es fini, tu vois. Après tu grossis et tu pètes. Prout. Ok. Et bon, on a fini l'épisode. Voilà. Un petit quart d'heure. Bon, vous, à cause de l'intro, ça va faire plus d'un quart d'heure. Mais moi sinon, bah voilà. Voilà.
Ok, bon, la cinématique est en anglais, je comprends rien. Parce que je suis une bouse, à part que je comprends thank you, ça veut dire merci. Et voilà. Quoi? Il voulait exploser le truc et ça vole. Regardez. Aïe. Pansement. Ok, lui, Gib, le Koopa. Dadada, le Koopa. Dadada, forteresse. Dadada, il se dirige vers la forêt. Illusion. Et Mario, dadada, dadaba, tabobou. Voilà, vous avez compris. Et voilà. Donc, les autres niveaux, on les fera. Ouais, bah, regardez en haut. Il a un petit pansement. Non, on va pas s'arrêter là, les amis. On va pas faire ce beau niveau tout de suite. On va faire ces deux autres niveaux. Il est un peu bugué à gauche, non? C'est bizarre. Bon, maintenant, ça c'était les niveaux secrets, tout ça de niveaux secrets. Maintenant, on va faire... On va pas les faire. Bon, on va pas les faire les autres niveaux. On va juste s'arrêter là-bas, tout simplement. Et puis voilà, donc maintenant ce que je vous dis, c'est, bon, je vais faire une save tête ici, et voilà, donc ce que je vous dis, c'est abonnez-vous, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Super Mario World. Allez, bye tout le monde, c'était Mamna Jizou.